Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la Musette Champêtre. Bonjour Stéphanie, bonjour Solène. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Eh bien, écoutez, ça va très bien parce que j'ai l'impression qu'ici, on trouve de tout. Vous êtes une grande spécialiste de produits régionaux. D'où cette idée vous est venue? Alors, l'idée nous est venue il y a à peu près un an et demi. Nous, quand on va en vacances, on adore aller dans les petits produits, chez les petits producteurs. C'est vrai, quand on est en vacances, on a le temps. Oui. Et c'est là que nous est venue l'idée de pourquoi pas regrouper plein de producteurs. Et plus dans la région Lorraine, des producteurs de la région Lorraine. Plus dans la région Lorraine, mais ouais. On a aussi des produits de qualité français pour aussi plaire au plus grand nombre de gens. Comme je prends l'exemple des légumes, il y a des fois en hiver, en Meuse, on n'a pas forcément beaucoup de légumes. Donc oui. Du coup, on s'approvisionne en France pour plaire au plus grand nombre. Alors justement, voilà. Chers amis, comme Stéphanie le disait, et Solène également, vous avez un choix qui est assez important en produits régionaux. Oui. Alors il y a des choses qui m'ont, moi, marqué, ce sont premièrement les chips. Regardez, c'est déjà l'emballage, moi je le kiffe. Alors elles ont une particularité, ces chips. Alors c'est des chips qui sont fabriquées dans la Marne. Elles sont pour la plupart en Nutri-Score A. Elles sont Ça veut dire qu'on peut en manger beaucoup, on ne grossira pas. Elles sont très peu grasses, très peu salées, et ça a vraiment le goût de la pomme de terre. Donc ça, c'est pour moi. Panier, je prends. Et puis alors, ce qui est incroyable, alors ça, je l'ai découvert également. Alors attendez, je cherche, voilà. Ce sont les mêmes chips, mais au chocolat. Alors ça, je ne savais pas que ça existait. Alors c'est une chips, une vraie chips qui est recouverte de chocolat sur une partie. Et c'est tout aussi bon, ça je prends aussi. Mais c'est également de la charcuterie, également des terrines, et pas n'importe quelle terrine, car on rappelle, ce sont des produits de grande qualité, des produits frais et bio. Alors, on a beaucoup de produits bio, mais on travaille beaucoup avec des gens qui ont des labels. Donc chez Hafner, ils ont le label Bleu Blanc Cœur. Oui. Donc c'est une charte de qualité très bien. Bleu Blanc Cœur, ça veut dire que le porc, il est né, élevé, transformé à la ferme, nourri avec les céréales de la ferme, sans OGM. Et eux, ils travaillent sur la grande partie de leurs produits sans sel nitrite, sans colorant et sans conservateur. Donc c'est comme à la maison, c'est comme à la voilà. Maison, on se régale comme à la maison. Ça aussi, ma chère Solène, c'est l'empaillé. Alors vous allez me dire, les chips, la charcuterie, etc., il faut boire un petit peu, avec modération. Et regardez, on va se faire un petit coup de champagne. Et puis on peut se faire aussi des bières. Là, il y a vraiment du choix également, avec modération, bien évidemment. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire, de vraiment avoir ce que la ménagère ou le ménager puisse faire ses courses entières dans le magasin. Alors, ça, c'est de la méthode traditionnelle qui vient de chez Le Lièvre, à côté de Toul. En Lorraine, toujours. En Lorraine. Elle est excellente. Eh bien, si elle est excellente, je la garde. Alors, il y a aussi une chose, Stéphanie. J'ai préparé mon panier. Je passe à la caisse tout à l'heure, réglé, bien sûr. Vous avez également un côté restaurant si je ne m'abuse, alors, où l'on déjeune très très bien, ça je peux vous le dire. On a un petit côté, oui, bar et restaurant. Donc pour l'hiver, donc on a une petite sélection de plats qu'on fait nous sur place. On est aussi traiteur. Mari, excusez-moi de vous couper, est traiteur depuis, ça fait 25 ans qu'il fait le métier. Oui. Donc il a une petite idée, il connaît, il n'y a pas de souci. Donc en hiver, on a quelques places dans le magasin. Et en été, on a installé une terrasse devant pour pouvoir accueillir plus de monde. Donc on a tout à loisir de profiter de bons produits régionaux. Solène, merci. Stéphanie, merci. On rappelle votre adresse et le nom de l'établissement, bien évidemment. Alors, le nom de l'établissement, c'est la Musette Champêtre. Et l'adresse, c'est 3 route de Charny, 5500, Bras-sur-Meuse. Merci. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je passe à la caisse. Je prends le caddie. Hein. Je vais régler maintenant, bien évidemment. Je vais me régaler. Merci beaucoup.